Bonjour, je vais vous faire une confidence. Je suis indépendantiste. Ouais. Et c'est pour ça que je me porte candidat pour le Bloc québécois dans la circonscription de Longueuil-Saint-Hubert. Dans le métier que je pratique, le sens des mots est fondamental. Par exemple, on ne dit pas « justice » sur le même ton qu'on dirait « savon ». Les mots doivent faire résonner quelque chose de précis, de sincère et de vrai. Et c'est pour ça que je me lance en politique. Pour retrouver le sens de certains mots. Des mots comme égalité, solidarité, mais surtout liberté. Moi, là, je pense sincèrement que le Québec n'atteindra jamais son plein potentiel en restant un locataire de la Fédération canadienne. Le Québec est un pays fascinant qui s'est épanoui depuis 50 ans. Nos pères et nos grands-pères ont gagné des batailles mémorables. Batailles pour préserver notre culture contre le rouleau compresseur de la culture américaine. Bataille pour prendre notre place dans des bastions économiques qui nous étaient auparavant complètement fermés. Bataille pour la langue aussi. De grandes manifestations vont nous amener finalement à quelque chose qu'on aurait cru impensable 20 ans plus tôt. Proclamer que le français est la seule langue officielle partout sur le territoire du Québec. Toutes ces victoires sont des avancées magnifiques et salutaires. Ils ont été réalisés par des hommes et des femmes qui avaient à cœur la survie du Québec comme peuple. Mais malheureusement, tous ces gains sont fragiles. Tant que nous resterons dépendants des valeurs d'une autre nation pour prendre les grandes décisions qui nous concernent, nous devrons toujours rester vigilants. C'est pourquoi je me présente pour le Bloc québécois dans Longueuil-Saint-Hubert, pour défendre notre vision d'un pays moderne, avant que nous décidions tous ensemble d'en faire un pays.